La motivation, quand tu quittes un pays pour un autre, quand tu as vu la guerre étant petit, tu es obligé de réussir, rendre fiers tes parents, mes petits frères, mais surtout mon père. Mon père a toujours voulu avoir un fils combattant, j'ai pas le droit de le décevoir, et je dois aller jusqu'au bout. Je suis personne pour le moment. C'est assez bizarre parce que je suis personne, mais beaucoup de gens me connaissent. C'est étrange. Forcément, les gens m'attendent. J'ai pas mal de pression sur les épaules, mais ça va, j'ai connu pire. J'arrivais en France, j'avais 7 ans. On dormait dehors, on savait pas où aller. Donc la pression, j'ai l'habitude. À 21 ans, j'arrive à gagner ma vie honnêtement, c'est une fierté. Quand tu connais la rue, gagner sa vie honnêtement, c'est une grosse fierté. Je pense que les gens me voient comme quelqu'un de vrai. Je m'invente pas de vie. Je reste moi-même. Avec mes défauts et mes qualités, je suis pas le meilleur. Je dis pas que je suis le meilleur, mais en tout cas, je suis celui qui est le plus déterminé. Ça, c'est sûr, certain. Je viens de trop bas, je viens de trop loin. Ramzan, c'est un athlète qui est venu chez nous il y a maintenant quelques mois. Ramzan, c'est quelqu'un qui a certainement beaucoup de choses à se prouver. C'est une force de caractère. M'a prouvé que c'est lui le plus fort dans la catégorie qui règne en France aujourd'hui, la catégorie des 66 kilos. Et il va tout faire pour rattraper le groupe pro qu'il a intégré cette année. Ramzan est arrivé à la Hatch Academy avec un gros bagage technique en lutte. Aujourd'hui, il a besoin de peaufiner comment dire, la spécificité pied-point. Donc aujourd'hui, on va lui apporter cette plus-value et la partie sol, dans laquelle où il y a un gros travail aussi à effectuer pour qu'il soit le plus complet possible. Les qualités de Ramzan, c'est que c'est un vaillant, c'est quelqu'un qui a la rage de vaincre et qui se dépasse à chaque entraînement. Donc ça, c'est une valeur sûre pour qu'il puisse évoluer dans le milieu du MMA français. Allez, fort, 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 allez, fort, allez. Oui. Chercher comme c'est le dernier, tu vas aller même aller me chercher le 1200. Ouais. C'est le dernier. 1200, tu les as. Hein. Tu vas aller chercher. T'es prêt? Allez, on démarre dans 3 secondes. Tu me l'arraches. T'es prêt, hein?
Allez, tu donnes tout. Go! Allez, ah! Allez, arrache! Ça pousse! Pousse sur les jambes! Allez, tire sur les bras! Allez! 4 secondes, allez! Envoie du lourd! Allez! Quand je vais me battre, je vais penser à ma famille, mon père, ma mère, mes sœurs, mes frères, d'où je viens, pourquoi on est venu en France. La chance que j'ai, c'est que les gens me supportent. L'année 2020, elle a été très très spéciale. On a connu des confinements très très stricts, de mars à mai. Aucun entraînement possible, rien du tout. J'étais chez moi sans pouvoir sortir faire les courses. C'était pas facile, c'était limite démotivant. Ce genre de moment où tu baisses les bras, après on a été déconfiné puis reconfiné encore. Aucun combat possible, aucun événement possible. Pour un gars de 20 ans, comme moi qui veux faire une carrière, c'est dur dans la tête. Mais je lâche pas. 3 entraînements par jour, quand le virus sera derrière nous, je serai prêt, plus que prêt même. Aujourd'hui, je vis de ma passion. J'ai plusieurs sponsors, je suis populaire sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ça me permet de vivre confortablement. J'ai mon appartement, j'ai payé mes factures, j'ai de mes parents, grâce à Dieu. Ne pas avoir besoin de travailler et pouvoir s'entraîner 3 fois par jour et se reposer, c'est un truc de fou, c'est un luxe. Tous les combattants n'ont pas cette chance. MyProtein, c'est le parfait allié. Des produits de qualité supérieure, que ce soit en habillement ou en complément alimentaire, c'est le top. Voilà, ce sera le dernier entraînement. On est à Pantin, dans le 9-3, à US Metro, à la Hatch Academy. Comme vous voyez, il y a une cage de MMA, il y a un ring, il y a un tapis de lutte. Donc, c'est la meilleure salle de France. Thank you.
Bah, Ramzan, ça fait presque un an maintenant qu'on s'entraîne ensemble. Déjà, de base, il était super fort en lutte. Pied-point, il a ses techniques. Maintenant, c'est la boxe anglaise qui va améliorer encore. Je pense qu'il peut faire de grandes choses s'il reste sérieux comme il est. S'il reste aussi à la Hatch Academy où on progresse tous ensemble. On a une grosse équipe et je pense qu'on se pousse tous vers le haut. Et ouais, je pense que Ramzan, il va être très très lourd très prochainement. Thank you.